Hello, un petit message flash. Légèreté. Une plume blanche. La plume blanche te dit que ton ange gardien est près de toi. Il a écouté ta prière. Il te guide. Tu n'es pas seul. Tu avances. Il y a du renouveau dans ta vie sentimentale. Si tu es déjà un couple, il y a de nouveaux éléments qui va apporter une légèreté dans ta relation. Si tu es célibataire, une nouvelle rencontre se profile à l'horizon pour toi. Alors, dégage-toi de tout ce qui peut t'impacter dans ta vie relationnelle, sentimentale. Ce renouveau va t'aider. Eh oui, pour certains, le renouveau, c'est retrouver une légèreté en quittant cette personne qui te fait du mal. Une séparation qui va t'apporter vers un avancement dans ta vie. Il semblerait que là, tu stagnes. Il semble que là, tu souffres. Il semble que tu alourdis. Alors, pour accueillir cette légèreté, ton ange gardien qui est près de toi te dit que c'est le moment de couper. Il y a quelque chose de nouveau pour toi. Il y a peut-être un nouvel élément qui fait si que tu prendras cette décision. Lâche prise. Lâche prise. Retrouve ta légèreté. Coupe définitivement avec ceux qui te blessent et qui te font mal. Lâche prise pour pouvoir sortir de cet isolement. Si tu es en couple et que tu affrontes des difficultés, sache encore une fois que ton ange gardien est près de toi pour retrouver cette légèreté, pour sortir de cet état de souffrance. Il va falloir que tu lâches prise et que tu coupes définitivement en te séparant de la personne qui te fait du mal. Mais en tout cas, il faut se séparer de ces souffrances qui t'alourdissent au quotidien. Si c'est une séparation que tu vis, lâche prise, tu n'es pas seul. Sors, ne te replie pas sur toi. Laisse aller, qu'est-ce qui doit aller. Alors que tu dois te séparer ou que tu es déjà séparé, sache que tu n'es pas seul. En sortant de ce repliement, en lâchant prise, ce qui t'attend, c'est la tendresse. Ce qui t'attend, c'est aussi la jalousie. Probablement une jalousie que les autres prouveront envers toi parce que tu auras eu le courage ou de mettre fin à une relation qui te faisait souffrir ou parce que tu sauras faire face à cette séparation que peut-être à certains convenaient. Peut-être qu'à certains faisait plaisir de te voir souffrir. Mais l'amour pour toi, la tendresse que tu dois avoir avec toi, en lâchant prise, tu vas voler. Et c'est ce qui fera que peut-être ton autre qui t'a quitté regrettera et sera jaloux de voir comment tu arrives à t'en sortir, en sortant, en t'amusant. Sors du silence, sors du silence, sors de cet isolement, lâche prise. Tu vas voler légère comme une plume. Écoute-toi, sois réceptive au message que ton ange t'envoie. Il est là pour te guider, à te libérer ou à faire face à une libération. Que ce soit toi qui sois parti ou qui doit partir, ou que c'est ton autre qui est parti ou qui doit partir, lâche prise. Peut-être que tu dois sortir aussi d'une emprise, d'un silence,
d'une jalousie que tu subis au quotidien, ce qui fait mal et ce qui fait que ta relation s'est coupée. Ne sois pas soumis à quelqu'un. Ne sois pas dépendant de quelqu'un. Ne te fais pas manipuler. Par jalousie, peut-être. Ton autre est peut-être une personne jalouse à laquelle tu es soumise ou soumis. Ne cède pas à la tentation. Sois réceptive aux signes de ton ange gardien. Parce que ce qui t'attend, c'est un nouvel engagement. Et avec cet engagement, tu auras la totalité. Ça sera un amour total, un amour entier. Tu ne seras pas aimé à moitié. Si tu vis une relation où tu es soumis, manipulé, tu n'es pas indépendant. En trouvant cette légèreté, en trouvant le courage de tourner le dos, en lâchant prise, en recevant les messages de ton ange, c'est un nouvel engagement qui t'attend. Et un engagement qui se basera sur un amour total, pas sens unique. Si tu as été quitté, ça vaut de même. Et si tu es tout seul ou toute seule, fais-toi confiance, lâche prise sur ton passé, ne t'isole pas. Ne te laisse pas manipuler par ton ego, par tes peurs. Reçois la nouvelle rencontre, le prochain engagement. Sois plus tendre avec toi. Balaye la jalousie des autres qui peuvent voir que, qui veulent voir que peut-être ton malheur. Fais table rase, accueille le renouveau. Il y a un élément qui va chambouler ta vie, ou alors un avancement pour quelque chose de nouveau. Alors avance, progresse. Sois en harmonie avec toi-même, ton ange te guide.